Je suis convaincu que la France peut devenir un champion de l'intelligence artificielle. Elle en a les atouts, de par son réseau de chercheurs, d'universités, son écosystème autour de la formation. Elle a aussi des talents dans le monde économique et dans le monde de l'entreprise. Je crois qu'aujourd'hui, elle a les atouts. Elle a aussi, il faudra l'analyser sous forme de menaces, d'opportunités. Il y a un certain nombre de points faibles à lever sur la fiscalité autour des entreprises, sur la capacité à pouvoir amener des fonds et faire en sorte que le capital risque soit plus massivement orienté vers l'intelligence artificielle. Moi, je suis convaincu que si on sait aujourd'hui faire cohabiter des gens de profils différents, parce que c'est ça éternellement les success stories autour du numérique, cette capacité de pouvoir mettre des gens qui ne sont pas faits pour travailler ensemble au départ. Et on le voit chaque week-end pour qui fréquente les Startup Week-end ou autres hackathons. Mettez des gens qui ne sont pas prédestinés à travailler ensemble. Faites venir des talents, faites-les venir et collaborer ensemble. Si on sait faire émerger ces écosystèmes qui sont déjà naissants, déjà structurés sur le pays, si en plus on est capable de mobiliser ou de rendre pertinent le fait d'investir sur ces marchés-là, alors je crois que l'intelligence artificielle en France est le secteur d'avenir et que la France aura des talents et des entreprises qui seront de rang mondial sur le sujet.